Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, chers compatriotes, merci pour votre fidélité et votre solidarité en ce jour de commémoration des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien de 1894 à 1923. Vous avez été informé que les conditions dues à la pandémie font que cette année, les cérémonies collectives ont été annulées. Néanmoins, l'année 2020 est une année particulière pour l'Arménie occidentale et ses droits d'État reconnus par les plus grandes puissances de la planète. Cette année correspond au centenaire d'un traité international de paix, celui signé à Sèvres, qui finalise les 5 traités dits de la banlieue parisienne, en commençant par le traité de Versailles, le traité de Saint-Germain-en-Laye, le traité de Neuilly, le traité de Trianon, et pour finir avec le traité de Sèvres. C'est pourquoi nous avons pris la décision de commémorer les victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien, y compris en Arménie occidentale, là où a commencé plus de 100 ans auparavant le crime le plus abominable en direction de mon peuple, celui d'avoir non seulement exterminé cette population autochtone fragilisée, mais aussi celui de lui avoir ôté tout espoir d'existence sur sa patrie ancestrale. Non content de nier la réalité de ce génocide, l'État criminel en cause et ses complices justifiaient leur position en précisant qu'il ne peut y avoir de génocide contre un peuple qui n'existe pas, effaçant ainsi le crime et son objet pour atteindre pleinement l'objectif génocidaire. Ce peuple ne doit plus exister, ce peuple n'existe pas, ce peuple n'a jamais existé. Le révisionnisme achève le crime, il en constitue la seconde phase en effaçant un groupe ethnique de l'histoire de l'humanité. Il serait donc contraire à toute morale et à tout droit de reconnaître à la Turquie une prime pour les massacres qui ont bouleversé le rapport des nationalités en Arménie occidentale, et pourtant elle est devenue membre de l'ONU. On ne saurait opposer aux droits légitimes des Arméniens d'Arménie occidentale leur nombre réduit suite aux persécutions et exterminations, suite au génocide, et pourtant notre territoire reste encore sous occupation. Par conséquent, tout en condamnant ce crime contre l'humanité, je m'oppose en tant que défenseur des droits de l'homme à ce qu'il se perpétue dans le temps. Aussi, il a été nécessaire de reconstituer le noyau d'un État dont les droits ont été bafouillés, faute de porte-drapeau et faute d'un étendard qui appelle la nation à se récomposer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme symbole de notre existence éternelle, en tant que peuple mais aussi en tant que nation, les petits-enfants de l'Arménie occidentale ont pris la décision de commémorer le sacrifice de leurs parents, y compris sur la terre où s'est opéré ce sacrifice. Sur cette terre sacrée, dans le respect de la mémoire et du souvenir, mais aussi pour montrer notre volonté inébranlable à être et à préserver notre statut de membre de cette grande famille, celle des nations libres. Je voudrais vous adresser toutes mes félicitations, mesdames et messieurs, pour la qualité et la grandeur que vous allez pouvoir donner à cette commémoration nationale et internationale du 24 avril 2020. Toutes mes félicitations, chers compatriotes, chers amis, pour votre fraternité. Vive les nations libres, vive l'Arménie occidentale et vive le peuple arménien. Merci.